Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette petite émission législative 2024. Ici même à La Réunion, 974, et on a le plaisir d'avoir avec nous Madame Anne Shankenbon. C'est ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Cinquième circonscription, hein, et investie du groupe Bagnon, hein, C'est je ça, crois. oui. Et ces législatives-là, 2024, elle est arrivée un petit peu comme une pluie qui arrive durant le soleil, hein, sans prendre garde. Hein. Vous t'es préparé avant? Pas du tout. Ah, aux législatives, Oui. je pense que mon expérience à la mairie de Saint-Benoît et puis surtout à la région m'a permis de mettre un vrai pied dans la réflexion pour la Réunion. C'est ça surtout. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui n'ont pas été traités par le précédent député. Et mon expérience particulièrement à la région a montré qu'il fallait aujourd'hui ouvrir des dossiers qui n'ont pas été ouverts et travailler réellement pour la cinquième Bien sûr, nous allons circonscription. arriver dans un instant avec un coup de programme, hein, 10 points, mais dans un petit instant. Mais avant, juste, est-ce qu'il est possible de gagner une élection en 2 semaines? Bah écoute, C'est difficile? c'est difficile, ça paraissait difficile, voire impossible, mais en fait, quand je vais sur le terrain, quand on fait les réunions de cellules, et on était à Saint-Philippe hier, quand on voit l'engouement des gens, déjà l'envie de renouveler la classe politique, l'envie de voir de nouveaux visages, et l'engouement des gens pour la candidature, je crois fortement que ce qu'on pensait difficile ou impossible il y a 15 jours, eh ben, ce Devient n'est réaliste pas, voilà, aujourd'hui, devient sans compter réalisable. que cette cinquième circonscription, c'est une des plus grandes circonscriptions avec beaucoup, beaucoup de communes. Hein, Brapanon, Plaine des Palmiers, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Philippe, Sainte-Rose Salazie. et aussi Salazie, parce que Salazie, il y a les petits chemins aussi qu'il C'est faut ça. faire. Hein, et en 2 semaines, c'est un petit peu difficile. Par contre, ce qui est un petit peu plus facile pour vous, c'est de mettre en place un programme sur 10 points, 10 mesures. On sait 2 semaines, là, hein, avec des thématiques qui reviennent un petit peu souvent, un petit peu partout avec les autres, hein, comme l'augmentation du prix d'achat, abroger la réforme des retraites, la sécurité, améliorer les services publics, la crise du logement, et des opérations, des créations d'emplois pour aider pour les associations. Hein. Oui. Ça, personne d'autre n'est pas dans Ben, les actes. aujourd'hui, et on sait ce que les gens nous disent, avec les PEC, il y a une vraie précarité. Les collectivités n'ont plus les moyens de renouveler les PEC comme ils veulent, parce qu'en fait, comme elles le veulent, parce qu'en fait, elles sont soumises à l'éligibilité de Pôle emploi. Et ça, au bout de 3 ans, quand on a déjà, quand c'est renouvelable, au bout de 3 ans, les gens se retrouvent souvent dans l'impasse. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de solution. Donc le système des PEC n'est pas bon. Nous, nous proposons de relancer les contrats aidés qui permettent de mieux vivre demain. Au bout de ces 3 ans, les gens Mais ont des perspectives est-ce que là, d'avenir. c'est une compétence d'un député Oui, ou c'est-à-dire c'est-à-dire un projet de loi pour ça? aller porter, Une aller demander, proposition de loi, aller pardon. demander le gouvernement à remplacer les contrats aidés par des PEC. Aujourd'hui, nous voyons que ce système ne permet pas de sortir les gens de la précarité, ne permet pas de donner des perspectives d'avenir aux bénéficiaires donc de ces contrats. Donc nous proposons de revenir sur les contrats aidés qui étaient une forme de contrat qui permettait une insertion beaucoup plus pérenne, en fait. L'autonomie alimentaire aussi, c'est un petit peu notre cheval de bataille aussi, ça. Oui, alors l'autonomie alimentaire, elle est importante parce qu'elle permet d'une part de soutenir la production locale, nos agriculteurs, et d'autre part de faire face, et on l'a vu dans les cas de Covid et dans les cas de la guerre en Ukraine, de faire face à la crise alimentaire. Quand le transport des biens devient beaucoup trop coûteux, on fait face à une flambée donc des prix. Quand on ne peut pas acheminer les oignons, on a bien vu pendant la crise Covid, on était bien embêtés. Et ben l'autonomie alimentaire, ça doit être une urgence Mais il y a aujourd'hui. assez d'agriculteurs aujourd'hui ici à La Réunion pour rendre La Réunion autonome au niveau alimentaire. Il y a Ah ben, 100 000 ça, personnes c'est aux peut-être qui ne travaillent députés. pas, hein, qui sont au Ouais. chômage, les remettre au travail. C'est aux députés de porter des mesures, un, pour valoriser le monde agricole, l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes enfants d'agriculteurs ne sont pas attirés par le métier parce que c'est un métier difficile et c'est un métier qui n'est pas assez soutenu. En tout cas, le modèle réunionnais de petite exploitation n'est pas assez soutenu au niveau national ou au niveau européen. Bien Donc, sûr. c'est le travail d'un député de dire qu'à La Réunion, on a un modèle agricole qui est différent de la métropole.
et comment on peut le soutenir davantage pour avoir une production locale, donc un métier plus valorisé, plus accompagné et une production locale plus soutenue pour bien une sûr. Indépendance, une autonomie alimentaire. Avec une autonomie alimentaire, comme ça, on passe peut-être forcément par une zone franche globale de la Réunion. C'est un petit peu mieux, non ? La zone franche globale, moi, je la lirais plus à la nécessité de développer l'emploi dans le bassin Est. Ouais, ouais. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, vous connaissez... On a profité et ça a marché. Ça nous a permis aussi, nous, chefs d'entreprise, d'embaucher. Exactement. Et aujourd'hui, nous, on pense que l'Est a besoin de cette deuxième phase de zone franche globale, parce qu'on a besoin aussi de réduire les embouteillages. Entre Saint-Benoît et Saint-Denis, c'est le premier flux de circulation, c'est le premier point noir niveau des embouteillages à La Réunion. Donc, développer l'économie de l'Est grâce à une zone franche globale, nous pensons que c'est la solution non seulement pour l'emploi dans l'Est et pour les embouteillages donc quotidiens que l'on connaît. Bien sûr, bien sûr. Et si on développe les entreprises ici dans l'Est, comme ça, on va pas un petit problème d'écologie, parce que l'Est, c'est quand même le poumon vert de La Réunion. Et je sais que vous, dans votre dixième point, vous traitez de cette transition écologique, l'écologie et l'industrialisation des villes ou des petits villages, peut-être, parce qu'ici, on a des petits villages un peu partout. Est-ce que pas de l'air à l'écologie ? L'économie, c'est pas forcément l'industrialisation et la production de CO2. On a des économies industrielles vertes. Si vous faites une zone franche, il y aura des sociétés qui vont venir. Mais pas forcément des industries. Aujourd'hui, on a la chance sur le territoire S d'avoir des atouts naturels qui nous permettent de développer de l'industrie verte. On a aussi l'économie du tourisme qu'il nous faudra développer. Et à La Région, Madame Bello a entendu mon appel quand je lui ai demandé de faire installer le lycée d'hôtellerie tourisme dans l'Est, alors qu'il devait aller à l'étang salé. Bien sûr. Je pense que le maire Tatandré en a parlé. Le lycée d'hôtellerie tourisme qui devait aller à l'étang salé va venir dans l'Est. Et aujourd'hui, des hôtels sont en projet. Donc ça, c'est de l'économie. Il n'y a pas que de l'industrie. On ne peut plus dire actuellement que l'Est est l'enfant pauvre du pays. On est en train de le changer, là. Mais attention, pas par l'action du député actuel, il faut bien le dire, parce qu'il y a des élus depuis deux ans, il y a des élus de l'Est qui militent pour un vrai rééquilibrage. On va rester dans cette cinquième circonscription, parce qu'il nous reste deux minutes, juste pour dire à toutes ces personnes qui votent dans cette grande circonscription-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous dites à ces personnes-là pour les convaincre de venir voter pour vous le 30 juin ? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis une élue de terrain. Donc, depuis 4 ans, je travaille pour la mairie de Saint-Benoît, pour développer le territoire, et je suis au contact de la population. Et j'ai vu qu'il y avait 3 grands thèmes qui était important pour nous dans la circonscription. Et il y a un thème notamment qui est la sécurité. Et aujourd'hui, on voit bien à Saint-André autant qu'à Saint-Benoît que le problème de l'insécurité installe un vrai malaise au sein de la population. Et en tant que députée, ce sera le premier dossier que je vais porter parce que nos concitoyens méritent le calme et la sérénité. Et notamment, dans cette bataille contre l'insécurité, il y aura donc la facilitation de l'intégration des nouvelles populations, parce que ça c'est important d'aider nos enfants qui arrivent à vivre bien, à réussir à l'école, et il y aura surtout la responsabilisation des parents. Nous allons porter, moi et puis le groupe et la plateforme réunionnaise, la mesure qui est une mesure simple et efficace, qui est la suspension des allocations familiales pour les titulaires de l'autorité parentale qui n'exerceraient pas cette autorité. Aujourd'hui, il faut expliquer aux parents que leur rôle dans la société est d'éduquer et de former des enfants qui soient respectueux des valeurs de la société et de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette petite interview. Vous avez dit une phrase qui m'a interpellé. Les mensonges font trop de dégâts. L'heure du changement est arrivée.
Oui. Ben, on Vous a vu croyez que vraiment? souvent les choses étaient abordées de manière un peu hypocrite. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aborder les choses sans tabou. Il faut dire les choses aux gens et puis surtout, il faut revenir vers les gens quand on les a vus en réunion. On fait des réunions là pendant la campagne. Ils nous disent, bah, aujourd'hui, vous dites des choses et puis demain, on ne vous voit plus. Oui. Moi, l'engagement que je prends, c'est de revenir vers ces gens-là. Dans un an, dans 6 mois, on revient, on revoit ces gens, on refait la même réunion et on dit, voilà les dossiers qu'on a ouverts, Voilà. voilà comment on a avancé sur les D'accord. différents sujets. Merci beaucoup, hein, Madame Chan Kenbon. Ah, Chan Kenbon, 5e circonscription. Merci beaucoup. Merci.